Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Et salut à tous, c'est Tatin, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Star Trek Online. Si vous n'avez pas suivi, c'est un Online, c'est un jeu Star Trek, voilà. Où on a un jeu de rôle multijoueur gratuit, où on est dans la peau d'un personnage, d'un capitaine de vaisseau, voilà. Bon bref, petite explication rapide. Alors, deux choses avant de commencer cette vidéo, enfin commencer le jeu du moins, parce que la vidéo est déjà commencée, bon bref. Désolé de ne pas avoir fait de vidéo, je sais que j'avais dit dans les commentaires de certains que j'allais faire le week-end justement, de, enfin voilà, j'avais parlé que je ferais le week-end, je ne sais plus quel week-end, mais j'ai pas pu parce qu'en fait je l'ai fait, sauf qu'il y avait un problème avec le son. Si vous voulez, il y avait des grésillements abominables, ah mais vraiment abominables. Donc voilà, j'espère que cette fois il n'y aura pas. J'espère. Et donc le deuxième, point justement que je voulais aborder, c'est justement le fait que j'ai, du coup, comme j'ai fait, qu'en fait je me suis rendu compte qu'après coup que ça avait fait des grésillements, j'ai un petit peu avancé. Et si vous voulez, pour vous résumer le truc, le capitaine a été capturé. Voilà, j'ai dû défendre la passerelle, j'ai eu plein de monde sur la passerelle. Sauver des personnes et tout ça, et j'ai engagé le combat contre le croiseur Klingon. Et là, vous voyez, emplacement pendant embuscade Klingon. Donc, attendez, je vais faire juste 2 secondes, je reviens dans 2 secondes. Excusez-moi, c'était juste pour vérifier que mon micro ça allait. Bon, donc j'ai mis un chronomètre, donc vidéo, on va essayer de faire entre 15 et 20 minutes. Bon, bref, trêve de présenter et de parler, on va jouer. On se rappelle, le vaisseau de classe Miranda, tout ça, voilà. Donc, il ne reste plus qu'à nous souhaiter bonne chance. Donc, voilà. Après, c'est plus difficile de faire des vidéos en période scolaire, mais vous inquiétez pas. Et pensez aux études aussi, c'est plus important les études. Donc, voilà. 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 Juste une petite information. Oui, ben non. En fait, non. Alors, rebonjour. Alors, oui, en fait, petit point que je tenais à signaler. J'ai pris en main la dernière fois les contrôles du vaisseau pour tourner, avancer, tout ça. Donc, j'ai pris le contrôle. Juste pour vous expliquer vite fait, bouclier, vitesse, arme. Et là, c'est les cadets que j'ai. Enfin, je sais pas trop ce que c'est. Et la mini-carte, toujours, qui nous indique la direction à suivre. Alors, j'étais en train de combattre un Klingon. Un vaisseau Klingon. Donc, on va aller en vitesse d'impulsion maximum. Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà la touche? C'est ça. Voilà. Alors, on doit faire quoi? Oulala, j'aime pas. Ah oui, alors là je suis en train de. Je fuis. J'ai pas le choix, désolé. Je sais que c'est lâche de ma part, mais je m'en fous quand même. Alors je peux lancer des torpilles. Enfin, vous m'entendez bien. Y a pas de souci là. Excusez-moi, pardon. Allez, je m'enfuis. J'en ai tué un. J'en ai détruit un. Cool. Ça, c'est cool. Je vais m'approcher. Non, pas trop long. Ça va, le bouclier tienne. Alors que lui, ça baisse. Allez, meurs!
Désolé, c'est normal, c'est le jeu qui bug un petit peu. Bon, attendez, je détruis ça et après je vais essayer d'actualiser. Ah! Mais tu meurs, oui! Je sais même pas comment j'ai fait pour le tuer l'autre. Je lance, c'est pas lui qui l'a tué. Allez, 15% qui meurt. Une torpille. Oula, en plus il me balance des torpilles. Mais il m'a loupé. Faut que t'apprennes à tirer, monsieur! C'est bon. Ok, fort bien. Fort bien, fort bien. Oh non, 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 non. Je me casse. S'il vous plaît, j'ai envie de partir. C'est bon, j'ai quitté cette terre. Ça, on va se remettre un petit peu nos émotions. Ah. Ah, attendez, 2 secondes. Je reviens dans 3, 2, 1. Désolé, excusez-moi. Je me réveille au micro parce que j'ai trop peur de faire une vidéo et puis voilà de tout gâcher à cause de ce micro de. Enfin, c'est pas le micro que le problème, c'est le logiciel qui a bugué. Bon, maintenant c'est pas tout ça, mais j'aimerais bien. Ah, mais je suis arrêté, mais je suis bête, je suis arrêté. Non, 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 pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Si je touche les bords, je vais aller en passer en distorsion et je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas. Alors, bonjour ennemi. Tant pis, faut aller. Tant pis, tant pis, tant pis, faut le torpiller. Allez, 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 allez. Oh là 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 là! Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux, ça va pas le faire là. Je crois que j'arrive à lancer les torpilles à photo, je ne sais pas. Putain de merde, désolé, excusez-moi pour mon langage, je veux bien. Il y a des funèbres, mais je crois qu'il y avait qu'un ennemi. Ah, pardon, c'est dommage que vous n'ayez pas vu l'autre épisode, c'est vraiment dommage, je vous le dis. Parce que le capitaine est mort, il m'a dit de continuer à combattre. Bah je fais ce que je fais. Alors apparemment, il semblerait que eux aussi aient leur propre profil, comme moi. C'est logique. Oula, j'ai subi des dommages. Mais eux également. On va voir un peu pour ce que. Allez, meurs. N'inquiétez pas, quand je vais passer à une autre mission, à notre objectif, ça ira mieux. Battez les deux pirates! Ah, parce que les Klingons sont considérés comme des pirates. D'accord. Si vous le dites. Fort bien. Ah, je crois que je vais arriver à lui lancer une torpille, mais je vise mal moi aussi. Je ne sais pas viser. Comment ça, c'est au service? Ah oui, à l'arrière, enfin un peu à l'avant. Oui, c'est là où il faut tirer. D'accord, c'est là où il faut tirer. Pour l'affaiblir le plus possible. Tactique ultime, tournée. Pourquoi je veux pas te tirer de torpille à photon? Si, c'est moi qui en tire là. Non, j'ai vu. Là, c'est moi. Boum! Oh! Il est à 41%! Wow! Alors, voyons voir comment va mon vaisseau. Combat terminé. Arrête de bouger, vaisseau. Alors, qu'est-ce que vous les affaires? Pour info, c'est mon officier. Premier officier. Oh non, non, non. J'aime pas ce que j'ai vu. Oh! Un copain! Merci de venir à mon secours, c'est gentil. D'accord. Starfleet. Non, il n'y avait personne. Capitaine Volok. C'est un Vulcain? Et le Vulcain de l'USS Renault. Oui, monsieur, nous avons été pris en embuscade par un des maraudeurs Klingon. J'ai besoin de votre aide, monsieur. Ah, lié, tiens, ça a apparu là.
Répondez à l'appel, c'est facile à faire. Où est le capitaine Taggart? Ah ben, je suis désolé, il est mort. Hein. Voilà, donc c'est ici. Oui, il m'a donné ses ordres. Oui, monsieur, j'ai les commandes maintenant. Il veut bien cliquer. Arc. D'accord, il me dit qu'il va escorter mon vaisseau au spationaute terrestre. D'accord, quoi de neuf à propos des Klingons qui ont tué Captain Taggart? Désolé. Oui, monsieur. D'accord, Renault terminé. Fort bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller le voir, mais ça me paraît tout simple. Il est pas très loin, donc ça va. Oh, qu'il vienne à mon secours. Ah oui, d'accord, elle est opposée de moi. Ok, pas de problème. Pardon, excusez-moi, je l'ai ok. Allez, c'est parti. Allez. Allez, j'en ai marre, je vais aller très vite, moi. Voilà. C'est plus facile comme ça. Ou non, pas qu'il y a des astéroïdes. À tous les coups, je vais le traverser. Ça, c'est les bugs 3D. J'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai pas compris en fait. Ah! Ah, d'accord! Ah oui! Ah merde! Stop. Oh là 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 là! Et oh! Il de l'épargner avant que je ne le tue. Mais c'est faux! C'est faux! Ah, c'est faux! C'est pas vrai, alors, vu que vous étiez pas là, vous pouvez pas savoir. Mais c'est faux! Le capitaine s'est battu! Il s'est battu! Il a dit qu'il voulait pas mourir, mais il m'a dit de combattre! Ah, par contre, j'ai pas trop ce que je fais, moi. Je m'en vais. Allez. Ah, les filles, ils sont en service. Ouais, bonjour. Allez, mais... Je suis là, c'est plutôt. Non, il y a plus de temps. Allez, boum. Oh, vas-y. Allez. Meurs, croiseur. Oui. Bravo. Bravo, monsieur, je ne sais qui, du capitaine, de l'USS Juno. Quelle promotion. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On vous escortera sur le chemin de retour vers le spécialiste de la Terre. Mais d'abord, nous devons informer l'USS qui te meurt que... Un instant, s'il vous plaît. Mon officier en charge des communications m'informe que nous sommes dans la capacité de Kitomer. C'est ballot, comme par hasard. Où est-ce qu'il va? Qui passe en moi? Nous allons nous rendre à leurs coordonnées pour déterminer s'ils ont besoin d'aide. Et leur vaisseau nous accompagnera. Super, ça me paraît être un piège, ça. Par la présente, je vous accorde également une promotion sur le terrain. Merci. C'est quoi ces promotions? Cela vous donnera l'autorité nécessaire sur votre équipage. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autorité sur mon équipage. C'est-à-dire qu'il ne m'écoute pas. Merci. L'équipage a la capacité de décision finale en ce qui concernera votre vaisseau jusqu'à ce que... Ah, parce que j'avais pas de décision finale. D'accord. En fait, j'étais commandant, mais j'étais pas le commandant quand même. D'accord. Nous étions une espèce de dog de la Terre et faisions... Et d'accord, oui, je sais pas si c'était très très français. Notre rapport à l'amiral Quinn. Ok. Pour recevoir votre compensation, point de compétence, expertise. Ouais. Oui, bien sûr. Je peux. Oui, j'ai aussi reçu une personne. Et voilà, c'est ce qu'il dit. Exit to sector space. Voilà, je vais passer en distorsion, vous allez voir. Ah,
En tout cas, c'est un jeu qui est très très bien fait, je le redis. Je le redis. Alors, cette série, combien d'épisodes, je pense, après certainement que ça fera? Je n'en ai aucune idée. Aucune idée, absolument vrai. Je vous jure, aucune idée. Je ne sais même pas si ça s'arrêtera. Évidemment, puisque je ne vais pas pouvoir continuer toute la vie à faire des vidéos. Voilà, on est à 14 minutes. Alors, voyons voir. D'accord? Où est-ce qu'on était? Ouh là 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 là! Et tu es pour la fin de Volux. Mais bon, ça on s'en fiche. Commencer coupure des communications. D'accord. Il faut que j'aille au système Volux. Avec SSC. Et c'était quoi ce quadrillage? Un quadrillage dans l'espace logique. Lumière de guidage. Ah oui, je comprends mieux. D'accord. Our orders are to contact with the Kittimer and find out why they've not responded to our hails. Il est mort? What? Très bien, il cap sur Kittimer. Sur Kittimer ou sur l'USS Kittimer? C'est pas la même chose. Il y a une planète qui s'appelle Kittimer ou Grand Kittimer, je ne sais plus. Allez, plus vite. Oups, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est mon téléphone, désolé que je me serve de chronomètre. Salut, évidemment, on est poli. Bonjour, statique. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on va booster le signal. Ouh là là là, il nous manquait des parties. 4 secondes, d'accord, oui, alors. Compris. Non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi, je ne suis pas le capitaine Taggart, il est mort. Non, c'est pas le capitaine je sais pas. Non, je m'envoie laisser Capitaine Bollock expliquer la situation. Ça a bien claqué. Ça a bien marché. Alors, il s'appelle Capitaine Jay Kim. Yeah, Kim. Pardon. D'accord, ouais, bon, on s'en fiche. Je sais pas si on reste sur ça. Les anomalies doivent interférer avec nos communications. Où est Captain Taggart? Allez, je vais expliquer. I'm sorry to hear about Captain Taggart. He was one of the best officers in Starfleet. Yeah, je sais, c'était triste. I'm sure this isn't easy for you and your crew. Don't worry. Il a l'air gentil. Alors, ouais, on va écouter quoi. I'm troubled by the anomalies in this system. Les anomalies troublantes dans ce système. Et ouais, communication. D'accord, ah oui, c'est à cause des problèmes de la communication, ce qui explique notamment pourquoi on n'a pas pu jouer. D'accord, il faut scanner les anomalies d'après ça. Oh non! C'est une mission. Gator, Tata, nous allons anomalies. D'accord, il faut que je récupère des informations sur les anomalies. Qu'est-ce qu'il fait le Kitopper à trop devant? De quelle classe ce vaisseau? Ouh, ça a l'air d'être un sauveur-règne. Pardon, désolé, j'ai mal prononcé. Et reviens ici, Kittimer! Reviens! Bon, je me dis pas, placer en vitesse maximale. Vitesse impulsion. C'est bon. Alors, de quelle classe es-tu, mon cher? Alors, tu vas te donner. Voilà, c'est ça, balayer le point alpha. Et où qui est le point alpha? Ah, il était là! Mince! Ah, bah tant pis. Non, mais je vois de quelle classe il est, Zesso. Je veux. Oui, monsieur. Il est où? Ah, flûte. Mais où est-ce qu'il est passé? Il est dans l'anomalie, cet idiot là. Oh, punaise. Tu m'énerves, toi. Allez. Je veux voir de quelle classe il est, ce Kittimer. Je suis sûr, je suis quasiment certain qu'il est. Oui. Oh non! Il n'est pas de classe Overrun. Mince. Bon, allez, bref. Trêve de bavardage. Non, mais pas là, mais. Qu'est-ce qu'il
me fais, lui. Je valise dans le secteur Alpha. Là là, je suis désolé. Désolé, je voulais voir, c'est bon. Si vous voulez, j'ai une idée, j'ai une idée. Ce passage, je vais le faire en accéléré. En accéléré, avec ma voix en accéléré, ça va être affreux. Bref. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Est-ce que je suis. C'est bon. Là, je suis à vitesse maximale. Vitesse d'impulsion maximale. Oui, qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait qu'il a acquis un vaisseau de classe constitution de la réalité par alternative? Je dévie. Et alors? Ah, balayer le point, enfin, 7 points. Scanning! Scanning négatif en ce moment. Réplique de Star Trek 3 de Scott. De McCoy, pardon. D'accord, il y a des gamma, il y a des radiations de gamma. Fort bien. Et maintenant, on doit aller là-bas. Est-ce qu'on peut aller sur la planète? Ouais, vas-y. J'aimerais bien aller sur la planète, moi. On va s'arrêter. On y est, normalement. Non mais non. Par contre, j'aime pas ça. Tu restes dans le cercle. Mais j'ai dit je voulais. Allez. On y est là. Qu'est-ce que tu attends pour balayer le coin? On n'y est pas assez, c'est ça? Pour rentrer totalement? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il me dit que j'y suis pas. Ah, c'était le nuage qui joue juste en face. On va le savoir de suite. Oui, c'est ça, c'est le point bêta. C'est ça. Le truc sympa, bêta, alpha, c'est les lettres grecques. D'ailleurs, en parlant de ça, vous n'aurez pas de vidéo pendant une semaine en novembre, je sais plus quand. Parce que je serai pas là. Nous voyons le même problème, je sais pas de quel. Ah! Ah bah, comme je suis un officier scientifique, ah bah, tiens, science. Commandeur Davis, oui, bonjour. Quelle est la suite des choses? Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, y'a point Gamma. Ah oui, d'ailleurs, Gamma, il me semble, j'en suis pas sûr, que Gamma, ça veut dire C en alphabet grec. Je n'en suis pas sûr. Attention, je ne dis pas tout. Parce que j'avais fait des petites recherches parce que ils avaient dit dans le 6 notamment, lorsque Kirk arrive sur Space Dock, ils disent sur Kirk et ses collaborateurs allaient sur NCC 1701 Alpha. Donc ça fait penser un petit peu à. C'est pour ça que j'ai cherché ça. Enfin bref. Mais balaye le point gamma, qu'on en finisse. C'est chiant, c'est pas captivant du tout, je m'ennuie. Je l'ai! What? Oh non, non, pas ça! Pas ça, pas ça, non, tout sauf ça, s'il vous plaît. Je retire ce que j'ai dit, c'est captivant. C'est très captivant, c'est tout à fait captivant. Non, mais pourquoi les Borg? Je les aime pas! Je vais mourir! Punaise, mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? J'en ai marre, je savais que c'était un piège. Et moi, je m'en vais. Je m'en vais, je vais. Et puis les autres, ils m'aident pas! Ils ne m'aident pas! Ils disent qu'ils sont venus pour m'assister! Là, il y a plus de bouclier, il y a plus de bouclier. 11%! 11%! Allez, allez, là! 6%, c'est bon, 9, 8, mais comment il remonte lui? Comment il fait pour remonter? J'ai dit je voulais te tuer, je voulais 2%, 0! Ouais! Allez, boum! Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Attendez, je fuis là! Je fuis! Tais-toi! Je fuis ou je rêve? Non, j'ai rêvé, j'ai eu. Non, j'ai dû rêver, je pense que j'ai dû rêver, oui. Ça m'arrive souvent. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh mince!
Oh, bah, je vais essayer. Pas de problème. Non, je plaisante. Je vais aller les aider, mais le problème, c'est que ça va faire bientôt 25 minutes. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois. Donc, je vous dis salut à tous. Ah, attendez. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié le récital. Si cette vidéo vous a plu, laissez un j'aime. Laissez un commentaire, c'est très utile pour moi. Ça m'aide à m'améliorer. Et donc, je vous dis à la prochaine. Et salut tout le monde!